Nous sommes à Savalou dans le cadre de l'organisation de la foire agro-pastorale au niveau du département des collines, entrant dans le cadre de la célébration de la fête de l'igname. Nous sommes à notre deuxième édition. Donc chaque année, depuis 2 ans, nous organisons cette foire-là pour pouvoir révéler les potentialités agro-pastorales du département. Lorsque vous produisez, lorsque vous faites de l'élevage ou lorsque vous transformez des produits agroalimentaires, il faut pouvoir les placer sur le marché. Il faut pouvoir les écouler. Il faut pouvoir les vendre. Et les foires sont des occasions de présentation de votre projet. C'est des occasions pour faire le marketing de vos produits, c'est des occasions pour découvrir aussi d'autres possibilités qui existent en matière de production ou de transformation. Parce que au cours des foires de ce genre, généralement il y a des équipements agricoles, de post-récolte, aussi bien de transformation que de conservation qui sont exposés et qui sont découverts par les forains. Saint-Bénin, nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble. Ils accompagnent aussi la foire, ils animent des stands. Donc tout ce qu'ils apportent comme produit, c'est des occasions de découverte pour les forains, pour les autres forains, pour les participants. Moi, par exemple, ce matin, j'ai déjà pris les euros produits à partir du Nîmes. J'en ai pris 10, j'ai pris 5 que j'ai donné à un ami. Ça fait déjà 15 qu'on a acheté. Ce que moi, j'ai pris l'année passée, c'est encore dans ma poche ici. Et lorsque j'ai des petits soucis de rhume, de boubouille, je l'utilise, j'ai vu l'efficacité. Ça fait que je l'ai gardé. Je ne savais même pas que cette année, j'allais encore retrouver les mêmes produits ici. Donc, c'est vraiment une bonne occasion que Saint-Bénin offre à ses acteurs de venir présenter ce qu'ils font. À Monsodia, on en a vu tout à l'heure, j'en ai mangé. Donc, il y a beaucoup de choses que les acteurs qui sont accompagnés par Saint-Bénin peuvent exposer. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent découvrir aussi. C'est énorme.